Good afternoon, 47. Your target is Congressman Anthony L. Trout, a veteran of the invasion of Grenada in 1983. Reports linking him to a number of friendly fire accidents were suppressed after the conflict and never became public record. He is staying with Silvio Caruso in Sapienza as part of a meet and greet with European moneymen and power brokers ahead of a possible presidential bid in 2024. Expect additional security and at least one personal assistant to be close to the target at all times. The clock is ticking, 47. Good luck. Salut tout le monde, c'est Immortal 71 Camille. On se retrouve aujourd'hui dans Hitman. Donc, version Xbox One de Hitman avec le député, donc une cible fugitive réactivée par IO Interactive. C'était la deuxième cible fugitive de l'année 2016. Donc, au niveau inventaire, j'ai pris une seringue moderne mortelle, Silver de Lycéa. Je m'infiltre en tant que garde du manoir. J'ai la corde à piano et les pièces de performance, donc exceptionnelles de Lycéa. Voilà. Donc on va lancer la mission. Alors, ce contrat est une cible fugitive et se joue en respectant les règles suivantes. Vous devez commencer le contrat avant la fin du compte à rebours. Si 47 meurt, vous ne pourrez pas recommencer le contrat. Une fois que vous avez rempli le contrat et quitté la mission avec succès, vous ne pourrez pas recommencer le contrat. Une fois que vous avez commencé à remplir les objectifs, vous ne pourrez plus recommencer le contrat. Adaptez votre stratégie en conséquence. Vous ne pouvez pas sauvegarder votre partie en jouant à un contrat cible fugitive. Et le briefing du contrat peut contenir des conditions d'échec additionnelles. Voilà. Donc moi, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup ce type de cibles qui sont quand même... qui sont temporaires et qui sont finalement bien plus rares que les autres contrats. Donc je suis très content de pouvoir retrouver les cibles fugitives de l'an dernier, celles que je n'ai pas pu faire, donc du coup j'en profite. Hein, voilà. Donc après forcément les autres youtubeurs qui auront déjà fait des premières vidéos l'an dernier sur ces cibles-là, je pense qu'ils vont en profiter pour les refaire. C'est ce que je ferai moi personnellement. Ça permet toujours d'éliminer la cible d'une autre façon. Donc du coup, là, je vous montre la version Xbox One. Et par la suite, je vous montrerai la version PS4. Voilà. Donc, qui est déjà faite. Et petite aparté, j'enregistre ma voix à part. Voilà. La version Xbox One me donne plus de boulot par rapport à ça. Mon micro n'est pas compatible, malheureusement, avec la console. Ça devrait, mais bon, ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que le son sera correct. Donc là, c'est bon. Je suis assis sur mon petit canapé en lisant le journal et je vais tout de suite me diriger vers le système de caméra afin de les détruire et d'être tranquille à ce niveau-là. Voilà, ça c'est fait. J'en profite pour prendre des munitions et le Bartoli qui est là. On sait jamais, vaut mieux avoir une arme secondaire. Et en plus, ça donne une petite Morora au passage, mais en vomitif. Donc c'est toujours pas mal parce que de récupérer des pistolets Bartoli, ils ont les mêmes munitions que vos armes à vous, donc c'est plutôt intéressant. Du coup j'ai quand même 7 sur 73 et j'en ai beaucoup moins en temps normal. Hein. Je peux aller jusqu'à 80 je crois si je récupère un autre Bartoli. Donc, ce qui est une très bonne chose. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne aussi pour le pistolet silencieux Krugermeyer. Si vous voulez l'utiliser, de temps en temps, faites pareil. Si vous avez la possibilité de neutraliser un garde pour récupérer son pistolet, ça vous donnera des munitions en plus. Parce que le Krugermeyer a encore moins de munitions que le Silver Baller.
Mais bon, ça, je pense qu'en jouant, tout le monde l'a remarqué. Mais bon, Krugermeier, dans certains cas, est plutôt efficace, vu qu'ils sont silencieux et beaucoup plus efficace. Donc voilà, du coup, je me promène dans le manoir et... Donc, afin de trouver la cible. Donc, du coup, moi, je décide de passer par là. Pardon. Donc là j'ai descendu un peu trop, du coup je remonte à l'étage supérieur, donc je vais retourner dehors et je vais me diriger dans le garage où se trouve à proximité justement la cave à vin. Car en fait, voilà, vous voyez, déjà le député avec son assistant devant lui et ses deux gardes du corps derrière. Donc moi j'avais l'intention de l'empoisonner, non pas par une seringue, mais par un poison qu'il pourrait consommer. Donc je voulais empoisonner son verre à vin, en supposant qu'il boive du vin, mais je me dis que bon, un député qui est hébergé par Caruso au manoir. Bon. Je me dis que s'il lui offre l'hospitalité, il va sûrement lui faire profiter de son vin. Donc là, du coup, je lance une pièce. L'assistant s'interroge. Il d'ailleurs fait partie du personnel du manoir. Mais il s'en fout. Voilà. Donc je récupère ma pièce. Ou pas? Non, pas tout de suite. Je laisse passer le député parce que lui, de toute façon, il viendra jamais en premier. Ce sera toujours ses gardes du corps. Donc, justement, autant neutraliser le premier. Donc, d'ailleurs, voilà, ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. J'attends que le second tourne la tête. Je le neutralise. Voilà. On va, du coup, en profiter pour le laisser là. Lancer une pièce pour attirer le second garde. Il va venir jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Mais moi, après, je vais passer la porte que vous voyez là à gauche, qui est des toilettes. Et je vais balancer une pièce afin de l'assommer ici. Enfin, de le neutraliser. Donc là, je me planque bien comme il faut. Il y a eu un bug, il s'est retourné sur lui-même. Là, je ne sais pas ce qu'il a fait. Voilà, donc lui maintenant, on s'en fout un peu. Tac. Donc là, du coup, personne ne peut me soupçonner de quoi que ce soit, se poser des questions parce que, parce que je suis en garde du manoir. Et vous avez vu le verre qui était là, moi, je suppose qu'il va boire un coup ici. Bon, après, comme c'est la première fois que je fais cette cible-là, ce n'est qu'une supposition. Là, je suis content, j'ai réussi à l'attirer. Donc, je veux le tuer avec la corde à piano, mais manque de peau, voilà, il n'est pas tourné du bon côté. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais reposer une pièce. Voilà. Parce que comme tout PNJ, il est quand même un peu con, c'est boot, même si c'est toi qui a... Il y va. Surprise, motherfucker. Et voilà le travail. Donc, ça y est, notre ami est éliminé. On n'en parle plus et on peut se tirer. Donc voilà, défi réussi, le député. On est bien, on est tranquille. Alors, je décide quand même de prendre le Bartoli, de cacher le corps du premier garde.
je récupère mes pièces, ça sert à rien, mais je le fais quand même, toujours. Je sais pas, c'est une manie. Ça sert à rien, c'est vrai. Hein. On a terminé, on n'a plus qu'à partir, mais je le fais quand même. Je me posais la question si je devais m'amuser à le cacher ou. C'était aussi pour vérifier s'il n'y avait pas une cachette dans les. Un conteneur ou un truc ou une armoire dans les toilettes, mais non, il n'y en avait pas. Donc du coup, je me suis dit, vu le temps que je vais mettre pour partir, ça sert à rien. Normalement, personne ne devrait rentrer dans les toilettes, et ce qui est vrai. Voilà, alors je vous dis pas, si vous restez une plombe dans la mission, peut-être que quelqu'un irait. Hein. Je sais pas, hein, pourquoi pas le plombier qui est dans la pièce en face d'ailleurs. On sait pas. Hein. Ou quelqu'un d'autre qui aurait une envie pressante. Quoi qu'il en soit, c'était une très bonne cible fugitive. Donc la deuxième de l'an dernier. Je suis vraiment très content. Ça s'est très bien passé. Donc c'était vraiment la première fois pour moi que je faisais la cible. Donc vraiment très satisfait. Donc voilà. Donc ça c'est impeccable. Parce que moi jusqu'ici je n'ai fait que les dernières. Je crois les 3-4 dernières, je ne me rappelle plus. Voilà, donc Assassin Silencieux 5 étoiles avec 168 000 points, bonus de temps 6 minutes. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à bientôt sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Merci à tous, ciao.